Francesky Louis, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis bien l'office de tourisme de Sarzeau. Oui. C'est en Bretagne, hein? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Je compte passer un week-end prochainement avec ma femme et mes enfants, ma famille. Oui. Je souhaiterais avant toute chose de me connaître la liste des vaccins obligatoires avant de quitter Paris. Pour la Bretagne? Oui. Il n'y a aucun vaccin obligatoire, monsieur. Pardon? Ben non. Il n'y a plus la lèpre? Ah non, 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 du tout. La peste? Ben non plus, monsieur. Enfin, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour venir en Bretagne, non. Je note, vous permettez? Oui, oui. Le choléra? Non, 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 rien. Je vous dis, oui, vous n'avez aucun vaccin. Restons sérieux, madame. Je tiens à prévenir quand même mes enfants et éviter le pire. Hein. La Bretagne, je sais que c'est une région très reculée. Je crois que vous êtes complètement à l'ouest de la France. Hein. C'est bien ça. Oui, mais on est quand même dans un pays civilisé. On n'a pas de soucis particuliers. Non, non, du tout. Hein. Je note. Alors, la tuberculose. Moi, j'en ai pas entendu parler non plus, non, mais enfin... Le typhus. Typhus, je sais pas. Ah, donc vous avez le typhus également en Bretagne. Je sais pas s'il y a du typhus en Bretagne, mais enfin... Bon, il va falloir que j'amène mes enfants à l'Institut Pasteur et nous verrons après, ils vont me donner la liste, j'imagine. Oui, voilà, si vous voulez. Mais enfin, moi, je vis ici depuis 44 ans maintenant et j'ai jamais entendu parler de peste ni de choléra en Bretagne. Hein. D'accord. Actuellement, vous êtes il n'y a pas de guerre En Bretagne? Oui. Ah non, du tout. D'accord. Donc, pour le moment, c'est relativement calme. Non, bah écoutez, je pense que ça commence à devenir un peu ridicule quand même. Pardon? Parce que pourquoi voulez-vous qu'on ait la peste, le choléra et une guerre civile en Bretagne? Non, je vous demande au chapitre des informations. Hein. Dites-moi, comment fait-on pour circuler? Eh bien, comme tout le monde, en voiture. Ah, il y a des routes? Il y a des routes. Pour se laver, est-ce qu'il faut aller au puits? Non, vous avez des salles de bain avec l'eau courante. L'eau est potable? Certains endroits, oui. Non, parce qu'il n'y a pas de robinet, c'est ça? Bah si, vous avez des robinets, bien sûr. Bon, écoutez, je m'excuse, mais là, il faut que je raccroche, parce que j'ai vraiment beaucoup de monde à l'accueil qui attend. À oui, bientôt, j'ai juste une dernière question. Oui. Comment se fait-il que vous ayez le téléphone? Ah, ça, je ne sais pas, mais j'aimerais bien ne pas l'avoir aujourd'hui. Au revoir, monsieur. J'ai jamais entendu parler de peste et de choléra en Bretagne. Hein.